Ça me va. Non, ça fait intellectuel. Regardons, merde. Non, c'est mes lunettes de soleil. Voilà. Alors ensuite, faut aller par où? Yes. Maintenant que j'ai mes épingles à cheveux, je vais pouvoir aller crocheter la cellule pour récupérer le magazine qu'il y a dedans. Oh, c'est incroyable, j'ai un BR quand même. Avant qu'il revienne. Et voilà, c'est bon. Bref, désolé si je parle pas très fort, c'est juste qu'il y a ma femme qui est dehors, c'est pour ça. Ouais, c'est, il faut une clé, j'en étais sûr. Ah tiens, qu'est-ce qu'il m'a donné? Merde. Ça fait chier. Là, tout ça pour ça. Pour du putain de C4. Gentil cette fois, maître. Dog promet, mais gardez-le loin. Non, je préfère quand on voit... Légère. Je préfère quand on voit mon visage. Dog sera gentil cette fois, maître. Dog promet. Mais gardez-le loin. Ah non, merci, je vais pas récupérer la poudre. Il faut une clé, bordel de merde. Et elle est où cette putain de clé? Alors qu'est-ce qu'elle a dit la voix déjà? Trouver, activer, lire le journal audio sous-sol. Attendez, je relis. Au sous-audio du sous-sol, ok. Allez au sous-sol. Il faut activer le journal audio. Donc ça doit être ici. Vous écoutez? Dorénavant, quand je vous parlerai, prêtez bien l'oreille. Il y a des marqueurs sur votre Pip-Boy. Trouvez les colliers 8, 12 et 14 et amenez-les à la fontaine. Si vous m'obéissez, vous serez tous libres.
c'est ce que j'ai fait. Venir le gravier auprès de la cellule de deux. Ah mais je suis con, c'est de l'autre côté. Là là. Espérons que je peux relire. Attendez deux secondes. Bon, on va déjà essayer de re-aller voir notre ami parce que je suis allé voir sur internet. Quand je trouve pas, je vais voir sur le net, hein, je me creuse pas trop la tête. Donc on va aller voir là. On va retourner dans la cellule de Dog et passer le message audio. Allez, c'est parti. Que j'attendais. Je suis déçu. Vous n'êtes pas mon invité d'honneur, mais vous suivez les consignes. Si vous avez trouvé comment me faire sortir de ma cage, vous n'êtes pas stupide. Bah ouais, je suis pas stupide, en fait. Quoique, avec cette laisse à votre bras et ce que vous avez au cou, avec nos colliers et nos chaînes, nous avons quelque chose en commun. Je suis la voix de la raison. Il m'arrive de dormir au sous-sol, dans la cage. Maintenant que je suis réveillé, c'est Dog qui retourne dans la cage. Dog sait que je suis là, mais ne peut rien y faire. Je suis sa conscience. Je le maîtrise. Je l'empêche de nous faire mal, de faire des bêtises. Ça fait un moment que je suis piégé, et vous arrivez et me laissez sortir. Bon, vous n'avez pas ouvert ma cage sans raison. Je veux savoir laquelle. C'est l'explication la plus facile, celle des humains. Comme si les technologies d'avant-guerre étaient la cause de tous les maux. J'ai dû sortir de la cage pour protéger Dog contre des humains futés, dans votre genre. Vous voyez les blessures qu'il a un peu partout. Le piège à ours sur son bras. Il a choisi d'y mettre la main. Le nom qu'il a sur la poitrine. Pour se rappeler qui il est, il s'inflige des souffrances pour me faire taire. Alors que j'essaie simplement de... Il s'entaille, se fait souffrir pour essayer de me chasser de lui. Il n'y réussira pas. Il ne réussit qu'à me mettre en colère. Dog est la bête. On se contente de changer de cage, comme celle-ci. Il est tout près. Un peu trop, presque. Dog a fait des choses. Il devrait réfléchir avant de manger, mâcher avant d'avaler. Maintenant, le collier fait partie de moi. À l'intérieur, je sens sa pulsation électronique, sa brûlure là en bas. Comme avant. Il était froid et lourd avant d'aller dans la cage. Depuis votre arrivée, il se manifeste à nouveau, comme si on tirait sur une laisse. Intéressant. Non. Non, je ne crois pas. Même là-dedans, j'ai davantage le contrôle que vous. Je ne partirai pas avant que celui qui contrôle les colliers se soit montré. Pas sa voix, ni sa main, ni son serviteur. Lui. Et quand il viendra, nous réglerons les choses. Retournez voir votre maître et dites-lui que je l'attends.
Dog lui obéit peut-être, mais pas moi. J'aurais quand même gagné. Plutôt crever dans cette cellule que laisser Dog continuer à suivre ses ordres pour se faire bien voir. Le vieux, il s'accroche au passé, à la madré. Je préférerais être libre, débarrassé de cette coquille, plutôt que d'y rester enfermé plus longtemps. Au début, ils voulaient tous retrouver la liberté. Ensuite, ils ont compris qu'ils pouvaient entrer dans la Sierra Madre. Dès lors, la liberté ne comptait plus. Ils ne pouvaient plus laisser tomber, exactement comme le vieux. Vous dites que vous voulez votre liberté? Non. Même si c'est ce que vous pensez, ça ne durera pas. Vous oublierez. L'avidité vous aveuglera. Dog, ce n'est pas à lui que vous parlez, là. Non, même si vous faisiez sortir Dog de sa cage, vous ne pourriez pas le faire sortir de cette cage. Si je l'y ai mis, c'est pour une bonne raison. S'il avait pu s'échapper, il l'aurait fait. Alors il restera ici. Bien sûr que non. Cette cage est bien fermée, contre vous et contre le vieux. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre alors, si c'est toi, comment vous êtes ? Bien sûr que je le sais. Même sans voir depuis la cage, j'entends l'écho des bruits de pas, le cliquettement des colliers. Chaque fois que je vois l'un de vous, je sais comment il est arrivé ici. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Vous ne valez pas mieux que Dog. Vous avez entendu la voix, la promesse. Et vous avez fini dans un des pièges du vieux. Ensuite, Dog va vous chercher et vous amène ici. Le moyen de repartir importe peu. Essayez de partir, de désobéir, et le collier vous arrête en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « redémarrer ». Vous pourriez trouver le moyen de repartir si vous quittiez la villa. Dog peut... Je peux aussi, si tant est que j'ai envie de repartir. Jusqu'à ce que le vieux vous libère, vous n'irez nulle part. Ce merveilleux paradis, avec ses toxines, la mort qui y règne, est devenu votre foyer. Vous n'êtes pas davantage lui que je ne suis Dog. Mais ce collier, autour de votre cou, vous êtes une extension de la main du vieux. Maladroite, mais vous restez un outil. Et une fois que vous connaîtrez mieux la Sierra Madre, vous ressentirez la même faim que le vieux. Alors vous deviendrez plus que sa main. Elijah, humain aussi faible que vous tous... Cerné par l'âge comme par une meute de chiens affamés qui réclament du sang. À mes yeux, il pue la vieillesse et l'échec et la folie. Pour moi, il n'est que le vieux. Pour Dog, il est le maître, peu importe son nom. Il voit filer les années comme il voit filer entre ses mains ses espoirs et ses rêves, brûlés par le soleil comme le sable du grand rien. Le vieux, cet Elijah, a tenté de tenir le soleil entre ses mains. Trop d'arrogance. Le crime d'Icar a été de voler trop haut. Celui d'Elijah... Elijah a voulu amener le soleil à lui. Quelle arrogance. Il a entendu l'appel de la Sierra Madre, tout comme vous. Exactement de la même manière. Il a découvert que ce n'était pas qu'une légende. Il est venu jusqu'à ce Graal empoisonné, ce joyau du désert. Dog le connaît mieux que moi. Dog lui obéit parce qu'il est faible, affamé, et cherche l'affection du maître. Bien sûr que je le sais.
Même sans... Moi? Vous m'imaginez trimballer... Vous étiez dans un piège. Au cours d'une de ces rondes, Dog a rapporté votre carcasse. Quand? Je l'ignore. Mais ça doit être récent. Avant la cage. Je ne me souviens pas de vous. Rien d'étonnant. Ce qu'il est, c'est ce qui s'est passé quand Dog était hors de sa cage. Libre. Affamé. Il sait qu'il ne doit pas manger ce qu'il trouve dans les pièges. Ensuite, en revanche... Bon. Il a ramené votre corps ici. Vous avez survécu. Dog a dû manger après votre arrivée. Ensuite, j'ai pu sortir de la cage et l'y mettre. Vous savez combien de temps vous avez passé dans les vapes? Je devais déjà être dans la cage, avec le collier en moi. Vous avez eu du pot que Dog ne vous mange pas. Sinon, on serait plus proches, vous et moi. Évidemment... La clé, eh bien, c'est le vieux, celui qui nous a amenés ici. J'ai caché la clé sur moi pour que Dog ne soit pas au courant. Il suffit que le vieux se montre pour qu'on puisse discuter, lui et moi. Si Dog était aux commandes lors de la venue du vieux, il ferait ce qu'on lui dirait, comme d'habitude. Et il n'en est pas question. Dog... Obéis. Oui. Pourquoi? Vous avez le moyen de contacter le vieux? Vous ne faites pas ça. Si vous le faites, je trouverai le moyen de sortir de la cage. Je vous tuerai. J'arracherai vos membres jusqu'à ce que... Non, vous ne le feriez pas. Sinon, vous ne sortiriez pas d'ici en vie. Je vous réduirai en miettes et je vous laisserai ici. Vous croyez que j'ai peur que votre collier explose et nous tue? Non, je vous laisserai en vie et marcherai jusqu'à ce que mon collier se désactive. Je soulèverai votre corps devant la Sierra Madre afin que vous voyiez ce que vous vouliez voler, mais qui vous échappera, comme votre vie. Le prouver. Comment? Les mots, ça ne vaut pas grand-chose. Non, ce n'est pas le cas. Même si Dog est plus docile, plus facile à contrôler. Vous risquez de le regretter. Cet endroit, c'est là que des créatures comme Dog peuvent survivre. Les gens qui peuplent ces rues... Il est vicelard, plus que... Sa faim vous aidera plus que moi. Quand je le contrôle, j'ai du mal à... me battre. Les occupants de la villa, ils sont difficiles à tuer. Il faut les hacher, les mettre en pièces, les désintégrer. Si on peut. Ils sont difficiles à tuer, mais pas à dévorer. Et Dog a toujours faim. S'il est avec vous quand ils tomberont, il leur tombera dessus. Si je suis avec vous, j'aurai plus de mal à me battre. Je ne suis pas sûr que votre place soit ici. Non, votre place n'est pas ici. Pourtant, vous avez réussi à venir jusqu'ici. Et je n'ai pas envie de rester ici plus longtemps. Je vais déverrouiller la cage. Très bien. Passez devant. Pas de toxines dans l'air par ici. Tiens, mais c'est... Côté un... Ses muscles...
Allez. Allez, brosse nous. Je vais pas fouiller ici. J'avais presque réussi à filer, mais la fin de ce crétin a été fait. Tu es... Non. C'est trop bizarre les habitants. Je crois qu'il faut les désintégrer comme il... avec la première arme qu'on avait. Voilà, il est où le prochain? Donc maintenant faut aller voir le vieux. Attendez. Trouver dans la planque du quartier résidentiel. Allez, on y va. Pop pop pop, putain. J'avais presque réussi à filer. Mais la tuer celui-là avant. Désolé s'il y avait énormément de dialogues, mais bon. C'est que on va dire le PNJ. Oh, bug. Oula, le petit bug qu'il y a. Ce Pip Boy, je vais peut-être vous l'arracher du bras pour me l'accrocher autour du cou. Il me fait flipper le gars. Viens voir ce que je peux crafter. Mais ça demande pas mal de jetons en fait. Ah bah non. Ça va, tant qu'on n'est pas dans... Ces machines dans la merde. Des jetons de la Sierra Madre. Tant qu'on n'est pas dans la merde, il autant y a les économiser des codes qui déverrouillent d'autres choses aussi. L'air a un goût de cuivre. Ou d'or de l'ancien monde. Il est bien suivi. J'avais presque réussi à filer, mais la fin de ce crétin m'a tout fait foirer. Allez, à la recherche du prochain collier.